dans un projet, tous ceux qui montent des projets échouent. C'est ce que David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous dirigeons là, cette bonne volonté de développer nos régions. Mais hélas, ce n'est pas avec Dieu. Ils n'associent pas Dieu dans leurs projets de développement. C'est ça qu'ils ont des problèmes. Ah, vous savez qu'il y a les anti-développements, qui sont les sorciers. Quand tu fais ton projet, ils sont là, ils ne veulent pas ça. Ils te regardent, toi tu es allé construire quoi, Villa, du blé au village. Tu montes. Lui, il a déjà vu là, le plan. Dans son scanner, il regarde, ta villa doit être bien par rapport à sa case. Il marche la nuit, il va chier son caca de sorcellerie. Il chie là-dessus. Quand tu retournes, tu as tous les problèmes. On te chasse du travail, pour un argent, que là même ton chef même qui est bizarre, il te fait des menaces. Tu ne comprends plus rien. Parce que tu n'as pas associé Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais il n'aime pas ça, il n'aime pas les villages qui se développent. Il ne veut pas se faire développer. Amen. Amen. Moi, ça va être témoignage. Je suis là et ils savent ceux des Arocos. Ils savent qui est Crasso. Amen. Amen. On se réveille, les sorciers. Avant, les sorciers avaient peur. Et les gens avaient peur des sorciers. Maintenant, quand je prends ma voiture de patrouille, ma voiture de commandement, je fais patrouille à Zaroko. Quand sorcier me voit, pff, il fuit. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas de l'eau, vous avez de l'eau. Tu peux dans un village boire eau de marigot. Tu ne peux pas avoir verre. Tu vois les enfants là mangent. Une mamie, deuxième mamie. Tu te demandes, ça rentre où? Tu viens de lui lever les mises. Mais tu fais une mamie. Tu te demandes, mais c'est le sorcier ou bien? C'est quel bon qui est devant lui? Nous, on appelle ça tant qu'il y en a. Tant qu'il y en a, c'est qui te le délivre dans ce sommeil. C'est le sommeil qui délivre l'enfant de la nourriture. Tu vois, tant qu'il mange, tu te dis, oh, c'est l'eau. Là où il y a de l'eau, marigot, il y a toutes sortes de maladies. Quand l'eau n'est plus potable, vous avez toutes sortes de maladies. Quand vous détruisez, c'est dans l'eau, avec l'eau. Je me suis lavé à l'eau des Arocos, j'ai fait 3 mois là-bas. Je sais combien de boutons qui étaient sur mon corps. J'ai vécu des choses et qui m'ont révolté pour qu'ils aient le château d'eau. Ils ont le château d'eau, n'est-ce pas? Vivez au poutin. Parce qu'on a combattu la sorcellerie. Vous voulez que vos régions soient développées. Si la sorcellerie n'est pas inquiétée dans vos régions, c'est pas perdu. C'est peine perdue plus tôt. Vous ne pouvez pas réussir le projet de développement. C'est pour ça que chaque région doit être commandée par les hommes de Dieu. C'est nous qui avons la clé. Quand Jésus dit vous avez la clé du royaume, vous avez la clé du royaume. C'est nous qui vous ouvrons les portes. Nous avons la clé du royaume. C'est nous qui devons ouvrir les portes. Alléluia. C'est nous. Amen. Vous êtes à l'église, vous êtes à Divo. Le prophète Crasso vient, vous pensez qu'il est féticheur. Oh, la réalité, Divo ne bouge pas. C'est ça le problème des gens. Quand vous venez, c'est pour ça le problème de Paris. Il me voit un prophète qui doit venir créer une église. Ça me crée pas d'aller créer une église à Paris. Moi-même, ici, là-même, je maîtrise même pas. Diriger une église, c'est difficile. C'est vous qui courez après l'argent, héros. Ça me dit rien. Si moi, je vais rentrer aujourd'hui à Paris, dans les minutes qui suivent, dans 48 heures, je suis à Paris. Ça me dit rien. J'ai parti à Paris pour organiser une grande croisade, c'est pour ça que ça met du temps. Si je veux rentrer à Paris pour aller me reposer sans quelques minutes, je rentre à Paris. Amen. Amen. Moi, je suis allé faire l'œuvre de Dieu. Si je vais à Paris, c'est pour aller faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons peut-être perdu la vision. Nos parents sont dans la sorcellerie parce que personne ne va vers eux pour les parler. Allez demander aux gars des Arocos. Ceux qui veulent manger savent qu'il y a du feu à Arocos. Le village a été consacré. Or, quand un village est consacré à Dieu, il est dédié à Dieu, aucune présence des ténèbres ne peut régner. Amen. Oh. Oui. Amen. Amen. Il y a des familles où les gens ont, n'est-ce pas, consacré leur vie au fétichisme, à l'idolâtrie. Donc il y a cette forme de malédiction ancestrale qui plane sur eux. À point qu'il y a des séries de malédictions, de pauvreté, de maladies qui se vivent dans les familles. Où il y a l'impression qu'il y a des problèmes cardiaques. Les problèmes, tout ça, chaque famille a des problèmes, vous ne comprenez plus rien. C'est ce qu'on appelle la malédiction ancestrale, qui plane sur les villages, sur les familles. Vous voyez que les personnes, il n'y a pas de cas dans les villages. Tout est bloqué.
Parce qu'il y a pas une action qui a été menée pour détruire ce qu'on appelle les fondements sataniques. Amen. Amen. Quand vous prenez l'historique de chaque village, nos villages ont été construits dans le sang. Vous savez ça au moins? Non, peut-être d'autres ne savent pas. Amen. Amen. Sur les propriétaires de la Côte d'Ivoire, vous les connaissez? Il est le bas, c'est là? Qui connaît les vrais propriétaires, c'est les Gabou. Oui. Les vrais propriétaires de Côte d'Ivoire, là, vous les connaissez? C'est les Gabou. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Quand vous voulez ou pas, votre histoire va vous rattraper. C'est important de connaître son origine. Tu viens d'où? Je ne sais même pas. Quand quelqu'un me dit ça, c'est un problème. Tu dois savoir où tu viens et où tu t'en vas. C'est pour ça que Dieu rappelait toujours l'histoire du peuple d'Israël. Je sais d'où je vous en ai. Quand Dieu se révoltait contre Israël, Dieu rappelait toujours l'histoire du peuple d'Israël. Nous avons une histoire. Nous tous, nous sommes des peuples guerriers. En conquête des terres. Nous avons la richesse des terres. Et il y avait affrontement quand vous regardez. Demandez votre histoire. Pour fonder un village, il y a eu forcément affrontement. Les gens chassaient d'autres peuples pour s'installer. Or, il y a eu la présence des personnes mortes sur le territoire. Et quand c'est comme ça, il y a eu un bain de sang. Le sang a coulé et se sont installés. Donc ils ont battu le village dans le sang. Or, vous savez bien, quand Dieu s'adressa à Caïn, il a dit, le sang de ton frère crie vers moi, vengeance, vengeance. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Le sang de ton frère crie, vengeance, vengeance. Le sang est là. C'est dans le sang, se trouve l'âme. L'âme se trouve dans le sang. Donc ils ont bâti comme un hôtel satanique. Et la malédiction ancestrale plane. Après que même tu es chrétien, ça te poursuit. Amen. Ça te suit même dans ta chrétienté. Parce qu'il n'y a pas eu une action qui a été menée là où tu es sorti tes origines pour détruire cette malédiction ancestrale. Amen. Tu es intelligent, mais tu n'arrives pas à arriver au sommet. Parce que tu es encore lié. Tu n'es pas délivré de certaines choses. Amen. Amen. Concernant tes origines. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est important. Là d'où vous sortez, vos villages, vos régions, il faut qu'une action soit menée là-bas. Moi, je sais quelle action j'ai menée dans ma vie pour boucler avec tout ça. Vous savez d'où vous sortez là, vous avez une fréquence. À partir de là, les gens captent les fréquences. Est-ce que vous voyez les zones où il y a des portables? Vous ne voyez pas. C'est des portables sans fil, n'est-ce pas? Il y a des zones, c'est invisible, on ne voit pas ça. À moins qu'on a des appareils. Mais c'est ce qui relie le portable à ça, à la connexion, à l'antenne. C'est comme toi aussi, tu es relié à quelque chose, à tes origines. Or, le diable, il connaît ça. Vous savez, la sorcellerie est une science occulte. C'est une science occulte. Vous savez, les sorciers, là, ils ont le pouvoir de parler aux animaux. Vous savez ça au moins? Vous savez pas ça? Ils communiquent avec les animaux. Oui. Ils parlent avec les animaux, ils parlent avec l'espace, ils maîtrisent beaucoup de choses, ils ont des grands pouvoirs. C'est pour ça que les gens sont étonnés que moi, Crasso, je parle avec eux. Parce que je sais ce qu'il y a à moi. Le sorcier, c'est un comédien. Une fois qu'on perçoit ce mystère, c'est-à-dire qu'on a un Christ en nous, la Bible dit que l'espérance de la gloire. On a Christ en nous, cela est rien. Amen. Amen. Combien de fois ils ont tenté plusieurs fois, mais mettre dans le sac, ça n'a pas marché. Ils veulent me manger pour ça. Elle sort pas là. Elle tombe. Oh, ils savent que ce n'est pas tout manger. Alléluia. Amen. Ils maîtrisent tout. Souvent, ils mettent les choses, puis ils n'arrivent pas à comprendre. Je me suis dit, je n'arrive pas à la voir. Mais c'est normal. Parce que Dieu ne permettra pas. Il y a des choses qui ont été faites sur ma vie. Tout a été dérivé. J'ai été déconnecté de tout ça. Depuis mes origines, vous ne pouvez pas m'avoir. Amen. Amen. J'ai été consacré au royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc tous ces liens ont été brisés. Il y a tout ça. C'est ça quand on venait ici, ce qui nous intéresse, c'est l'onction d'huile. Nous positionnons ça pour briser toutes les connexions. Quand vous venez ici, que le pasteur vous dit, il faut une force pour le vin d'huile, c'est important. Parce que quand vous venez, les gens ont les regards sur vous. Ils ont mis des connexions, par des connexions vous captent. Amen. Amen. S'il n'y a pas le réseau move ici, qu'il y a ma puce orange, ça ne va jamais prendre parce que c'est le move qui doit passer ici. Amen. C'est comme ça. Et ils ont une connexion, vous avez quelque chose en eux qui vous appartient. Le diable n'agit pas comme ça. Tant qu'il n'a pas une voie légale, il voit que la raison agit dans ta vie parce que
tu es encore son fils, tu es lié spirituellement au royaume des ténèbres. Bien que tu n'adores pas le diable, mais ta famille et ton village ont été consacrés aux esprits. C'est vrai que pendant que tu dors, tu vois les esprits dans ton rêve. Les gens te mènent dans le rêve. Il faut te déconnecter de ça. Tu as des grandes connaissances, tu n'arrives pas à percer. Parce que c'est ça la malédiction ancestrale. Dans ta famille, on ne doit pas avancer. Bien que tu sois l'endroit, dans les endroits où on doit en réussir, mais toi, tu as un problème de réussite. C'est des problèmes. Tant de l'argent, c'est ça l'esclavage. Tu travailles pour les autres. Et tu as envie d'envoyer l'argent en Afrique. Ah oui. Et quand tu réalises, pendant des années, tu n'as rien réalisé. Tu réfléchis. Mais qu'est-ce qui est fait? Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les gens vont bien et toi, tu as des problèmes là-bas. Amen. L'église doit être en mesure de nous délivrer de tout ça. Amen. Amen. L'église doit nous délivrer de tout ça. Parce que Jésus est notre délivrance. Amen. Quand on rencontre Jésus, on est délivré de beaucoup de choses. Amen. Or, la délivrance est désir. C'est vrai qu'on a le salut, on a accepté Jésus, certainement, on a accepté Christ. N'est-ce pas? Nos noms sont inscrits dans le livre, vie, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est délivré? Est-ce qu'on est débarrassé de tous ces liens? Est-ce qu'on est débarrassé de la malédiction ancestrale? Jésus dit à Lazare, aux disciples, payez-le. Moi, j'ai fait ma part. La part de Dieu, je donne dans la vie. Donne-le le salut en son nom. Mais la part de nous, les hommes de Dieu, c'est de vous délivrer. Amen. Amen. Peu importe le temps que ça prendra, parce qu'il y a des délivrants qui peuvent prendre deux jours, une journée. Il y a des délivrants qui prennent trois jours. C'est pour ça qu'il faut être patient en matière de délivrance. Amen. Il faut être patient. Amen. On ne peut pas passer. Oui, c'est pour ça que l'expérience de Bartimée n'a pas été l'expérience de ce monsieur qui était né avec. Pour lui, Jésus a pris la boue et l'a appliqué sur les yeux pour sa délivrance. Or, Bartimée, Jésus dit que cela soit fait selon ta foi. Amen. Les délivrances ne se ressentent pas. Il y a des délivrances qui peuvent prendre une semaine, deux semaines. Il y a d'autres délivrances. Ça prend une année. Dieu seul a l'explication. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut être patient en matière de délivrance. Amen. Prouver que tu comprends que tu as besoin de délivrance et que tu rentres dans le système de la délivrance. Qui est de désirer toujours la délivrance et tu n'es pas lâché. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Tu n'es pas lâché. Amen. Frère, il ne faudrait pas que nous ayons un passage inutile sur cette terre. Amen. Tout dépend de nous. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. La balle est dans notre camp. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout dépend de nous. Si nous voulons être délivrés, tout dépend de nous. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de nous. Avec Jésus, on peut tout. Avec Jésus-Christ, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Avec Jésus-Christ, c'est la puissance. Dis à quelqu'un, avec Jésus, c'est la puissance. Avec Jésus, c'est la puissance. Amen. Amen. Dis avec Jésus-Christ, c'est la puissance. Avec Jésus-Christ, c'est la puissance. Amen. Amen. Bien, bien. J'ai vu une femme qui a pris tout à l'heure son ventre. Je voyais tout à l'heure une femme qui jouait à l'enfant. Il a soufflé. Vous êtes délivré? C'est sûr. Il dit avec Jésus, c'est la délivrance. Comment? Lâche-la! Je proclame. La délivrance est maintenant même. La puissance de Dieu. Femme, la puissance de Jésus te délivre. Maintenant. Lâchez-la. 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 Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Oui. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Vous allez lâcher son ventre. Vous allez lâcher son ventre. À la puissance qui est dans le sang de l'agneau. À la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez sa vie maintenant. N'est-ce pas? Lâchez-la. 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 Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas libérer ce corps et maintenant même.
Voilà la puissance qui est dans le sang de Jésus. Lâche-la. 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 Lâchez son ventre. Fais un ordre. Le feu consume tes œuvres. Le feu sur toi. Libérez-la maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Feu. Le feu détruit tes œuvres. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et de... Lâche-la. 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 Quitte sa vie. 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 Si tu vas partir, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi? Qui es-tu? Jésus! Oui! Amen! Ta mère! Ta mère! Ta mère! Bien entendu! J'ai pris son enfant! Il a cassé son bras pour vous! Tu es sa mère! Tu es sa mère! Parle-moi ta bouche! Je ne suis pas un enfant! Parle-moi ta bouche! Tu es sa mère. Tu es sa mère. Tu es sa mère. C'est toi qui as pris. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu vas me dire ton nom. Toi, sa mère. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Si, quel est ton nom? Quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Le feu sur toi. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Tu vas me donner ton nom maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas me donner ton nom. Tu vas me donner ton nom. Tu vas me donner ton nom. Au nom de Jésus. Quel est ton nom? 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 Donne-moi ton nom. Pourquoi tu peux mettre ta propre fille au monde et la base de ton malheur? Son malheur? Pour famille. Oui. Pour famille. Pour famille. Thérèse. Thérèse. Je m'appelle pour famille. C'est ta fille. Je vais prendre son enfant. Et pourquoi? Je ne veux pas qu'elle accouche. Tu ne veux pas qu'elle accouche? Je veux pas qu'elle accouche. Et pourquoi? Pourquoi? Et tu as gâté quoi encore dans sa vie? Je veux tuer son mari! Son mari! Je veux tuer son mari! Il m'aime pas! Comment t'aimes? Même moi, je n'ai pas t'aimé. Comment tu as joué à ma femme et t'aimé? Son mari ne t'aime pas. Son mari ne t'aime pas. Tu veux tuer son mari? Tu vas tuer son mari. Par quoi? Tu vas utiliser quel moyen pour tuer son mari? Fusil. Son mari est gendarme. Son mari est gendarme, c'est ça? Elle, son mari est gendarme. Il est corps à pied. C'est ça? Il est corps à pied, son mari? Son mari est corps à pied? Ok. Tu vas le tuer.
Qu'est-ce que tu as détruit encore dans sa vie? Son argent. Son argent. Je la sépare de son mari. Je veux qu'elle soit veuve comme moi. Il veut qu'elle soit veuve comme toi. Tu as détruit son argent, c'est pas? Tu as détruit son argent, n'est-ce pas? Tu as détruit quoi encore? Tu as pris son enfantement. Tu veux bloquer, tu as tué son mari. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait encore? C'est bien, tout c'est bien. Tout c'est bien. Sachant, je n'ai pas qu'il aime maintenant. Voilà, je vais rester. Ah, ok. Ah! Son mari doit la détester. Ne pas la divorcer, elle va aller rester près de toi. C'est ça? Souvent tu es là avec ton mari, il te voit, ça fait rien. Tu es là, il bouge son mari. Tu comprends pas? Tu regardes, il est chéri, là, c'est lancement, il est fâché. On laisse carré de dans ta bouche. Chéri. Bisous, il brille même lui. Il est vite ça. Oh, c'est la vieille mère qui fait ça. Elle a mis gaga de sorcellerie. Les choses sont spirituelles. Or, quand vous voyez, il y a une alliance en son droit, c'est qu'elle est mariée légalement. C'est qu'elle est légalement mariée. Mais en même temps, sa vie est contrôlée par un esprit. Étant dans ce foyer, elle est contrôlée. C'est pour ça que les blancs disent que nous sommes super touchés. Ok. Nous croyons la spiritualité. Comment une personne s'élève pour aller marier légalement cette femme? C'est-à-dire, en principe, il a bien réfléchi. Amen. Il a bien réfléchi. Et du coup, vous voyez que quelque chose se passe. Vous devez comprendre qu'il y a un problème et qui est spirituel, que les êtres humains ne peuvent pas régler. Voilà. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel, il y a le monde visible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous vous trouvez en face d'un problème comme ça, gardez une sérénité. Amen. Amen. Et puis confiez-vous à Dieu. Or, c'est sur ce terrain-là, les gens perdent beaucoup de choses. Ils ne comprennent plus rien. Ils disent, mais je ne comprends plus. Mais justement, parce que tu ne comprends plus rien, que tu dois te confier à Dieu. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Oui. C'est pour ça que tu dois te confier à Dieu, pas aux hommes. Or, c'est là qu'on va donner tous les secrets à notre camarade sorcière. Ah, ton mari, il ne te touche plus la nuit. C'est là. Il ne te donne plus l'argent, c'est ça. Il ne paye plus. Ah, ok. Laisse-moi régler ça. Elle m'a pris la place. Dieu est là de lui parler. Vous confiez aux hommes. Quand vous le retrouvez dans ce genre de problème, vous devez vous confier à Dieu. Amen. Ce Dieu. La Bible dit, recommande ton soin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Amen. Recommande ton soin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Nous devons avoir le regard fixé sur Jésus. Lui se pourra nous délivrer. Amen. 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 Tu me dis que tu es belle, comprenez? Que ton mari, quand tu vas enlever sa copine, gnani, 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 gnani. Quand on aura même, c'est bon. Toi, tu vas dans la chambre, tu diras dans le miroir un peu. Tu es content. Quand tu sors, tu vois gnani, gnani. C'est la scène, ils sont. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont mis sur toi, si ton mari est bizarre? Alléluia. Amen. Tu vas la lâcher, c'est un ordre. Tu m'as entendu? C'est un ordre. Si. Tu vas la libérer. C'est à cause d'elle que Jésus est monté à la croix. À la croix. Tu vas libérer sa fécondité. Tu vas libérer son argent. Tu vas libérer toute sa vie. C'est un ordre. Fais sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres.
Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Tu lâches ta vie. Tu vas la libérer. Ça, on appelle ça bras. Hein? Père, maintenant, même. La puissance de Jésus, n'est-ce pas, te libère. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Tu vas me libérer ce corps maintenant même. Tu vas me libérer sa vie maintenant. C'est un homme. Lâche-la. 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 Libère son ventre. Tu m'entends? Libère son ventre. La Bible dit, même la stérile enfantera sept fois. C'est une promesse de Dieu. C'est la promesse de Jésus. Dis à quelqu'un, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Amen. Amen. Il y a une soeur qui est arrivée, il y a une de mes filles qui travaille dans une boîte d'assurance, elle a San Pedro. Elle est arrivée même hier, et je crois elle a un enfant de 17 ans. Après l'enfant, elle n'a plus d'enfant. Elle n'a plus d'enfant. Oh, j'avais un passage, j'ai fait un passage à la télé. Elle est à San Pedro, quand elle m'a contacté, et puis elle a commencé à prier, et puis elle a eu un grand miracle. Amen. Amen. La médecine ne pouvait pas enfanter. Dieu fait la grâce, elle rencontre un monsieur, qui travaille dans une grosse boîte d'une banque, et puis on a eu un enfant. Donc elle a enfanté l'enfant maintenant 9 mois. Vous savez que le chiffre 9, c'est important. Elle l'a envoyé aujourd'hui, hier. Elle sera là demain pour son témoignage. Amen. Et Jésus est puissant. Elle attendait d'avoir ses congés, tout ça. Donc elle est venue, elle est actuellement chez moi. Elle sera là demain matin au culte pour rendre son témoignage et continuer sur la vie. Pour dire Jésus est puissant. À part les 7, 17 ans. Vous allez voir demain l'enfant, elle est gaillard. Elle fait son petit vrai petit. Pour le bébé. Pour dire Jésus est puissant. Amen. Amen. À distance. On ne s'est pas vu. À distance, j'ai prié et que là est le miracle. Le plan de Dieu, c'est que toi, tu puisses féconder le plan de Dieu. C'est une bénédiction. J'ai toujours dit aux gens, on ne marie pas une femme pour qu'elle nous fasse des enfants. Vous trouvez que c'est choquant? Non. Je marie une femme parce que je l'aime. Je l'ai aimée. Oh, l'enfant est un bonus. Parce qu'Orange travaille chaque mois du mois bonus. 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 Tu as conservé 5000 francs. Bonus. Bonus de 5000, bonus de 10000. L'enfant est un bonus. Mais est-ce que il y a vraiment l'amour dans vos relations? Si oui, Dieu envoie. Je m'en fiche, je ne pas en fou. Oh non, en Afrique, c'est notre problème. Ah, le café est bien, mais t'en as un. Le fondement doit être l'amour. Alléluia. Amen. Et dans l'amour, Dieu envoie le bonus que le bébé. Amen. Amen. On le voit les femmes dans la rue, elles font bébé. J'ai vu des fois, elles sont enceintes. À quand là où il y a une fleur? On est chaque année, on enceinte. Ah, les gens sont forts, hein? Enceinte une folle. Tu fais comment? Est-ce odeur là, vous avez donné cri d'odeur, tiens. Mais enceinte ça. Si folle peut prendre grossesse, sœur, Dieu a un plan pour toi. Dis amen. Dieu a un plan pour toi, alléluia. Dieu a un plan pour toi, dis amen. Un plan pour toi. Vous avez qui pour prendre ta fécondité? Il est qui lui? Il est qui? Il est vaincu au nom de Jésus. Lâche bon au nom de Jésus. Parce que je vais vivre ce miracle. Ramène-moi sa fécondité. Attends, il faut ramener ce miracle. Va me chercher là où tu as mis et tu me ramènes ça. Oui, va. Va. Et puis ramène-moi. Ça fait comme tu. Voilà. Va. Suis dans son eau comme ça. Va me chercher et puis ramène-moi sa fécondité.
voyez l'action, non? C'est-à-dire qu'elle était, elle était, elle était, ils l'ont sali, ils l'ont lié. Avant que la fécondité n'arrive, il y a une action de purification qui s'est faite autour dans sa vie. Vous comprenez? Voilà, qui en fait s'est faite autour dans sa vie. Et, voilà. Vous voyez comme la puissance de Dieu en train d'agir dans la vie de cette soeur, la puissance de Dieu en train de se manifester dans sa vie. La puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. La puissance de Dieu, d'accord. La puissance de Dieu en train de se manifester dans sa vie. Oui. Oui. Au nom de Jésus. 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 Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Oui. Regardez l'action du Saint-Esprit. Ou avec la caméra. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans sa vie. La puissance de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que la chose est revenue sans t'acclamer Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu ramènes son argent. Ramène son argent. Ramène-moi son argent. Ramène-moi son argent. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ramènes son argent. Et tu me ramènes, n'est-ce pas, son mariage. Toute sa chance au nom de Jésus. Tu ramènes toute sa chance. Parce que quand tu finis, tu ramènes la mort sur toi là-bas. Ou bien? Je te ramène la mort. Comme tu es gentil. Tu vas prendre la mort. C'est un bonus pour toi. Ok, la puissance de Dieu. Je scelle cette grâce. Je scelle sa fécondité dans le sang de l'agneau. Je scelle sa bénédiction dans le sang de Jésus. Je proclame sa grâce de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant même, je te délie de tous les liens. Au nom de Jésus-Christ, je proclame totalement ta délivrance. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour ce monde qui va proclamer.